Oh le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Oh le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu, je suis le Dieu qui te guérit. Le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu, je suis le Dieu. Te guérit et le Seigneur qui guérit. Oh, oh, oh. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Oh, je suis le Dieu, le vrai Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? C'est une promesse de notre Dieu. Je suis le Dieu qui t'ai guéri. Peu importe tes maladies, je suis le Dieu qui t'ai guéri de toute maladie. Que son nom soit béni ce soir. Alléluia. Soyons connectés en esprit. Allons à l'écriture. En Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à l'époux ce soir. Soyons simplement en esprit. Chaque moment de la présence de Dieu doit être pour chacun de nous un moment de bénédiction sur tous les plans. Les mains levées pour un mot de prière ce soir. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Ce jour-là au calvaire, tu as pris nos maladies. Ce jour-là au calvaire, tu as pris toutes nos iniquités. Ce jour-là au calvaire, tu as pris nos problèmes de la vie terrestre. Ce jour-là au calvaire, tu as pris tous nos soucis. Que ton nom soit béni. Ce soir, nous voulons élever ton Seigneur. Ce soir, nous voulons porter notre foi vers toi, regardant simplement à tes promesses, regardant simplement à ce que tu as déclaré. Car quand tu parles, tu honores ta parole, tu accomplis ce que tu as dit. Et ce soir, à travers cette prédication, quelqu'un reçoit la guérison, quelqu'un reçoit le remplissage, quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un se sent libre ce soir, parce que toi tu agis, la puissance de ta parole agit dans les cœurs de tes enfants. Béni sois-tu Seigneur, bénis cette soirée, connecte notre esprit à ta parole, et que toute la gloire te revienne. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, bienvenue à l'époux ce soir, entrons simplement en esprit,
avec ce message du prophète ce jour-là au calvaire et que Dieu nous bénisse. Bonjour les amis, c'est un privilège d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin pour servir le Seigneur en prêchant la parole et en priant pour les malades. Et je suis très reconnaissant pour ce jour-ci. En arrivant, une surprise m'attendait. Un frère s'est avancé vers moi et il a dit, « Je ne voudrais pas être comme le lépreux indigne qui avait été guéri. » C'est frère Wright. Sur lui, le Seigneur l'a complètement guéri. Et il est venu en pleurant me serrer la main et me dire qu'il voulait remercier le Seigneur pour sa guérison. Il voulait revenir rendre grâce. Il n'y a plus rien. Il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ces témoignages. Et Charlie, toi et frère Jeffries, si vous voulez, vous pouvez venir prendre un siège ici sur l'estrade. Vous êtes les bienvenus. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. Votre frère là et frère Woods, vous n'avez qu'à monter ici. Il y a quelques places ici sur le banc, si vous ne devrez pas rester debout. Je crois qu'il y a quelques places ici. Oui, vous seriez plus que les bienvenus. Venez prendre ce siège. Nous sommes dans la joie aussi. Je crois qu'il a été dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est le privilège du chrétien et la joie d'aller à la maison de l'Éternel. En regardant un peu partout et en voyant tant de mes amis ici ce matin, je suis vraiment ravi. Je suis content de voir frères et sœurs Doe ici, de l'Ohio. Je vois frères et sœurs Armstrong là-bas, au fond, qui ont fait tout le trajet depuis l'Ohio. Dieu vous bénisse aussi. Et en regardant un peu partout, on voit, il serait difficile de nommer tous, Hoover du Kentucky. Nous sommes contents de vous voir ici ce matin. Et Charlie et Nelly, frère Jeffries et sa famille, et tant d'autres qui sont de l'extérieur de la ville. Alors ce matin, nous attendons à passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. En promenant les regards sur l'auditoire, si je nommais tous mes amis qui sont ici, j'en aurais pour la plus grande partie de la matinée à mentionner les noms de chacun. Ça me réjouit d'être de retour à l'église, de voir tous les gens qui sont présents, d'avoir l'occasion de les rencontrer. Qu'est-ce que ce sera quand nous arriverons au ciel et que nous nous rencontrerons là-bas? Pour ce grand temps de communion éternelle sans fin, réunis autour du trône de Dieu, à partager les bénédictions qui nous étaient si chères ici. Là, nous aurons fait à sa ressemblance et à son image, avec son esprit sur nous, pour l'adorer et le servir pour toute l'éternité, sans jamais nous lasser. Pensez-y seulement, il n'y a rien que vous puissiez faire qui ne vous arrive pas à un moment donné de vous lasser. Charlie, je crois que toi et moi, nous avons chassé l'écureuil. De ce que nous aimons faire, c'est ce que nous avons fait de plus dans cette catégorie-là. Mais tu sais, on finit par s'enlacer. Et j'aime faire des randonnées, aller dans les montagnes, faire des randonnées. Mais parfois, je m'enlace. On a envie de faire autre chose. Et j'aime conduire. Parfois, je me sens fatigué, épuisé, les nerfs à fleur de peau. Alors, je saute dans ma voiture, je prends la route, les mains sur le volant, je roule en chantant. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis là au volant, je chante, je tape du pied, je pousse des cris. Eh bien, après un moment, je me lasse de ça. Et alors, je rentre à la maison pour faire autre chose. Et quand nous commençons à adorer Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura pas un seul instant de fatigue. Ce sera simplement toujours une bénédiction, simplement sans fin. Naturellement, à ce moment-là, nous serons changés. Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous serons différents, des créatures différentes de ce que nous sommes en ce moment. Ainsi, nous sommes heureux.
J'étais en train de penser, je ne sais pas si j'ai déjà enregistré ceci ou pas. Frère Charlie, il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky, il m'a dit, Frère Branham, est-ce que tu penses que dans le millénium, toi et moi, nous allons chasser l'écureuil? J'ai dit, je ne pense pas, Charlie. Il a dit, mais nous aimions tellement ça. Il a dit, est-ce que tu penses que nous le ferons quand nous serons dans le millénium? J'ai dit, non, rien ne sera tué dans le millénium. Il a dit, mais nous aimions tellement ça. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passerait si j'arrive à te convaincre qu'à un moment donné, tu avais été un porc, et que tu t'étais élevé jusqu'à devenir un être supérieur, jusqu'à devenir un être humain? Est-ce qu'un jour tu retournerais, tu voudrais retourner, jouir des plaisirs d'un porc? Il a dit non. J'ai dit, tu vois, tu serais tellement supérieur au porc maintenant que tu es un humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un porc. J'ai dit, multiplie ça par 10 000. Et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé de ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras plus jamais redevenir un humain. C'est vrai. Ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux, rien que d'y penser, savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. Bien. Maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, ensuite, je partirai pour le Wyoming avec un bon ami, ou dans l'Idaho avec un bon ami à moi, frère Minor Argenbright, frère Clay Sonmore, les hommes d'affaires chrétiens. La semaine prochaine, la suivante, c'est-à-dire le 7, je dois être à Dallas, au Texas, à la convention de la Voix de la Guérison. Et je dois prêcher le 7 au soir. Et de là, je repartirai pour aller dans l'Idaho avec frère Argenbright et les hommes d'affaires chrétiens. J'aurai peut-être un soir à Minneapolis avant que nous repartions. Et puis un petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. Si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je vais être de retour ici au tabernacle. Et si cela m'est permis, et que ce soit la volonté du Seigneur, je voudrais parler sur le sujet du tourbillon dans le vent, si le Seigneur le veut. J'ai eu ça à cœur toute la semaine, semble-t-il. Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai eu cette pensée ce jour-là au calvaire. Et je veux parler là-dessus ce matin, ce jour-là au calvaire. Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans les Écritures, l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 27. Et nous commencerons au verset 27. Nous lirons une portion des Écritures pour avoir notre arrière-plan. Et puis, nous commencerons tout de suite après. Et après le service de prédication, alors nous prierons pour les malades. Et depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là que j'en ai reçu depuis longtemps. Il y a quelque chose là qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne. Peu importe combien le surnaturel a pu être montré, mais voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit par exemple le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire et dire telle et telle chose sont arrivées, et vous appelez telle et telle, et vous venez de tel et tel endroit, et vous avez fait une telle chose, et ça se passera de telle manière, et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là. Pourtant, l'individu qui est là devrait les yeux, lever les yeux et dire, ça ne peut être que Dieu, j'accepte ma guérison. Mais au lieu de ça, l'individu dit, imposez-moi les mains et priez pour moi pour que moi je sois guéri. Mais c'est ce qui nous est enseigné ici en Amérique. Et alors de croire ça, et c'est conforme aux Écritures, certainement. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps et ils vont accepter leur guérison. Parce qu'on ne leur a rien enseigné, vous voyez. On ne leur a même pas enseigné la guérison. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Et s'il est vivant, il est suprême et il guérit. Et avec ça, parce que la base est déjà posée, le fondement, qu'il est un guérisseur et qu'il guérit les gens. Puis quand ils voient sa présence, œuvrer à travers son Église, alors ils disent, ça règle la question, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Maintenant,
Souvenez-vous, dimanche matin prochain, si Dieu le veut, naturellement, Frère Neville en fera l'annonce, ce sera le tourbillon dans le vent. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 dans l'Évangile de Saint Matthieu. Now let's listen close to the reading. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte des soldats. Et ils le dépouillèrent de ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main. Oui, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils sont montés et arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. When he had tasted thereof, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. And they crucified him. Et ils le crucifièrent. Parted his garments and ils se partagèrent ses vêtements et tirèrent au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Sitting down, they watched him there, et là, ils s'assirent et le regardaient. And set over his head an accusation written, this is pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. And they that passed by reviled him, wagging their heads, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il veut le sauver, I am the Son of God. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les voleurs aussi, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure, jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, cet homme appelle Élie. Et aussitôt, l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes.
Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Courbons la tête juste un moment pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours. Il était tombé aux mains des impies. Et on l'avait mis en pièces. On lui avait craché dessus. On s'était moqué de lui. Et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours nulle part. Au point où il s'était crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu se spécialise dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais une fois qu'elle a été accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le maître. Tu as ébranlé la terre et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit, comme les ténèbres de la nuit, pour montrer que tu étais Dieu, mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons dans l'Esprit, conduit par la main de Dieu, peu importe si ça semble aller mal, toutefois nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton Esprit. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver, en sachant ceci que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Alors nous savons que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui sont en condition d'être sauvés, qui cherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter, ce jour-là au calvaire. Ça peut paraître un peu hors de saison, ce devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui, nous avons lu tant de choses sur lui. Les prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement des temps. Les chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Les prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes de ce jour indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important. De tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre, c'est un des jours les plus importants.
Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour l'apprendre, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite les Écritures, qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple. Quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leurs péchés, mais ça les aiderait à se relever afin qu'ils abandonnent leurs péchés et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en trois points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines, mais ce matin, j'ai simplement choisi trois points différents d'une importance vitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux et que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri. Chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Le grand point important, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché. Et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. La peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier, pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort. Nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne, et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance. Avant même qu'il arrive sur la terre, le péché a commencé au ciel, où Dieu a établi les anges et tout sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir.
Et je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir pour être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Et son âme a péché. Il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Et quand le péché est arrivé sur la terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui en fait a paralysé la terre. Alors nous nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujetties. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne d'un autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait. Ils erraient dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de retour. Il était perdu. Il ne savait de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un chemin de retour vers ce lieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira dans le monde entier. Il n'y a personne, ni ici ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. Vous payez vos factures, vous vous dites, ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux grisonnent et alors vous voulez redevenir jeune. Et il y a toujours quelque chose, constamment. Et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper les boucles de ses cheveux pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Trouver quelque part, en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle, le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon. Parce que comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Et tout le temps, nous cherchons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est un peu plus populaire qu'elle.
Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Et cela montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera cette satisfaction, qui comblera ce vide, cette faim qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivions pas à le trouver. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré, ils ont poussé des cris. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Finalement, un jour, ce jour-là au calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. Et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé et que la question du péché a été réglée pour toujours. C'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amené à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il a jamais aspiré, tout ce qu'il a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué, secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché a été plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour et il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués, les montagnes se sont fendues et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé cet animal appelé Satan pour toujours. Et depuis lors, il est plus vicieux que jamais. Parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine, sujette aux désirs humains. Et il a été crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas et qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsémané et toutes les tentations que n'importe quel homme ait jamais supportées. Il a supporté tout ça exactement comme tous les hommes, mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme, avant de l'opérer, il l'assomme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu, dans une chair humaine, mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue, et pourtant beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont attendu ces choses, et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête des plaisirs et des choses du monde. Ils essaient de trouver le moyen de s'en sortir. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, et par la tourterelle, et toutes ces choses. Et pourtant, elle ne l'avait pas pu briser. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sur laquelle Satan tenait la terre. Les pierres mêmes sur lesquelles il avait une fois marché en se promenant sur la terre du soufre brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore et il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé.
Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Alléluia! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloigné de Dieu. Une grande route a été tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. Vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur la terre. Car il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, boire, fumer, jouer à des jeux d'argent, dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit, et Satan ne peut rien y faire, parce que vous avez saisi une ligne de vie qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout, pas même la mort elle-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité, dont l'architecte et le constructeur est Dieu, peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel, parce qu'il est libre. Alléluia! Il est racheté! Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés sont partis. Ce jour-là, au calvaire, a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, pas étonnant que le poète ait écrit, alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'assombrissaient, mon Sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou pas. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou pas. Le voile déchiré, ce jour-là au calvaire, a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais plus il n'y en aura un comme celui-là. Ce n'est plus nécessaire. Le prix est payé. Et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a été tiré le rideau et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus pour nous demander ce qu'il en est, mais pour croire et continuer à marcher, tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu.
Abraham savait, et d'autres savaient. Là, pendant qu'ils cherchaient une cité, ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Quelque chose était arrivé. Ils vivaient sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre, ou le loup se nourrissait de l'agneau, et le lion mangeait le bœuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'homme, le frère, tue son frère. Le père tue son fils, le fils tue son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend de l'âge, il se meurt, il dépérit. Il est miné par la maladie, il est dans l'esclavage. Les arbres poussent, ils ne sont pas immortels. Ils meurent. Les montagnes changent. Les mers se dessèchent. Les eaux tarissent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il cherchait un endroit, une cité où ça n'arrivait plus. Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toutes choses, il pourrait en discuter avec lui. Oh, pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là au Calvaire a créé une ouverture sur le chemin. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le Calvaire vous l'a donné gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination? Comment pourriez-vous rejeter ça pour y substituer autre chose? Les plaisirs du monde. Pourquoi ne pas l'accepter? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu, sans aucune espèce de péché sur lui. Et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche. Le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle, tout est droit devant lui. Ce jour-là a porté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. Et je peux le voir là-bas. C'était lui, l'agneau de l'Éden, dès la toute première ombre qui en est apparue. Quand Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui que Caïn, il a certainement dû attacher là, comme une liane autour du cou de l'agneau. Il l'a tiré jusqu'au rocher. Il a pris une pierre dans la main pour lui servir de lance. Et il a renversé sa petite tête et il l'a martelé, il l'a mis en pièces jusqu'à ce qu'il meure. Et sa laine était imbibée de son propre sang. Il baignait dans son sang. C'était une ombre. Mais ce jour-là au Calvaire, là, ce n'était pas un agneau de cette terre, mais c'était l'agneau de Dieu qui mourait, qui baignait dans son propre sang. Le monde l'a mis en pièces, l'a martelé, l'a battu, l'a craché dessus, l'a frappé brutalement, l'a giflé et tout. Et le sang tombait goutte à goutte de ses cheveux. Quand l'agneau d'Abel est mort, il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre. Il bêlait. Et quand l'agneau de Dieu est mort, ce jour-là au Calvaire, il a parlé dans une langue. Personne ne l'a compris. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était l'agneau de Dieu. Mis en pièces, martelé. C'était lui l'agneau même auquel pensait Abel quand il a vu la semence promise de la femme. C'était lui l'agneau que Daniel a vu qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était lui la roue au milieu de la roue pour le prophète. Tout ce qu'ils avaient vu d'avance s'est réalisé ce jour-là, au Calvaire. C'est ce qui a amené cette grande chose. C'est ce qui a cassé les reins de Satan. Premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là signifiait. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? Premièrement, nous devrions l'examiner. Car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été réglé. Le pouvoir de Satan a été brisé. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au Calvaire, sur le Calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés,
Mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. En effet, nous, les Adam déchus, qui avons été rachetés, comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam, par l'Esprit qui avait autorité sur toute la nature, ainsi nous, le deuxième Adam, ou les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ depuis le jour du calvaire. Nous pouvons le suivre. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu d'un moyen. Il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre pour que vous et moi, nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous. De suivre, lui. D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Bien, nous disons, eh bien, j'apprécie ça, c'est vraiment formidable, mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ, dans notre cœur. Alors nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché, aucune. Dieu, c'est tout, comme si nous n'avions jamais péché, et le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire, mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, est-ce que vous le voyez, Église? Je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer, vous êtes perdus dès le départ, tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez à ce que ce jour sur le calvaire a fait pour vous. Il a payé votre prix. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront blancs comme la laine. Alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché, pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur. Vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son Esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie et il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devrions faire? La première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée pour les autres. C'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle. En recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres, pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église a oublié qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils, alors ne vivez plus pour vous-même, vivez pour les autres. Frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique, ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait s'il le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est ça la vie éternelle. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Alors vous vous dirigez vers le ciel. Mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez, comme le mouton donne sa laine. Regardez plus loin, en direction du calvaire. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire.
Il faut trouver ce que vous êtes. Et quel est le but? L'église, il ne s'agit pas d'aller à l'église rien que pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors, il a pourvu un chemin pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. Ça, c'est merveilleux. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations à ce sujet. Écoutez bien. Ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens comme les brebis d'avec les boucs. Et qu'il dirait aux boucs, mettez-vous à gauche et aux brebis, mettez-vous à droite. Et il a dit aux boucs, retirez-vous de moi, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors retirez-vous de moi. Et au brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre action même. Ces brebis-là, ça les a tellement étonnées qu'elles ont dit, « Seigneur, quand as-tu eu faim et que nous t'avons donné à manger? Quand, Seigneur, étais nu et t'avons-nous donné vêtements? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand étais-tu malade et nous t'avons assisté? » C'était tellement automatique, par amour. C'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. C'était tellement automatique. Quand ça, Seigneur? Nous ne l'avons jamais su. Regardez, Jésus s'est retourné, il a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, c'est à moi que vous les avez faites. Une vie dépourvue d'égoïsme. Non pas après réflexion, non pas d'y réfléchir, mais vous êtes tellement mort aux choses de ce monde, et tellement vivant en Christ, tellement engagé sur la grande route, que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement, non pas de dire, bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça? C'est pas ça, vous êtes simplement une partie de lui, son esprit est en vous, et vous agissez comme lui agissait. Saisissez le bien. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pas tous qui disent « Seigneur, Seigneur » entreront, mais ceux-là, seuls qui font la volonté de mon Père, simplement de leur cœur, juste librement. Or, ce jour-là, au calvaire, a payé ce prix pour que nous puissions être comme cela. Non pas de dire, vous savez, une fois la veuve Jones n'a plus de charbon, je suis allé lui acheter. Je vais vous dire, j'ai vu un frère qui avait besoin d'un costume et je suis allé lui acheter un costume. Dieu soit béni, je suis un chrétien. Oh là là, pauvre égoïste misérable. Tu es un hypocrite. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute manière. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute manière. C'est simplement ça, la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit. Et c'est lui qui vit sa vie en vous. Oh, vous sentez cet esprit béni, cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, nous sommes chrétiens, nous aidons ces gens-ci, nous aidons ces gens-là.
Oh là là, honte à vous. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça vraiment. Vous le faites de toute manière. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit, frère, vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi parce que je suis venu mourir pour vous. Il n'a pas soufflé un mot. Il est mort de toute manière. Parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous. C'est Dieu en moi qui fait que nous considérions les autres. Les brebis d'un côté. L'un de dira, eh bien, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Il dira, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Pardonnez-moi, mon ami pentecôtiste. Je suis pentecôtiste. Mais mes amis pentecôtistes en sont arrivés au point. Il faut qu'il y ait beaucoup de musique rythmée, le battement des orchestres, taper des mains ou des tambourins, faire pousser des cris aux gens. Ce ne sont que des émotions. Les fanfares jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. Je crois en la musique, taper des mains, je crois à ça. Je crois à ces choses, c'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. Mais vous avez négligé les grandes choses. C'est cette vie de sacrifice de soi. Dieu vivant en vous. Faire automatiquement tout ce qui est bien, parce que c'est bien. Continuez à avancer tout simplement. Vous trouvez ça tout naturel. De mener cette vie là tout simplement. Alors, regardez, vous êtes sur la grande route. C'est ça ce que le calvaire signifiait pour vous. Sur la grande route qui a ouvert ce chemin pour vous. Maintenant, regardez. Vous ne pouvez pas être à moitié bouc et à moitié brebis. Ça ne se mélange pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez, nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres, nous faisons ceci. C'est bien. Mais vous êtes en train de chanter vos propres louanges. Ne faites pas ça. Faites vos aumônes en secret, a dit Jésus. C'est tout simplement automatique, c'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif, c'est votre voisin. A soif, vous pensez à lui aussi, le besoin du voisin. Vous pensez comme si c'était votre besoin. Vous ne faites même pas attention. Vous allez de l'avant. Vous ne pouvez pas être à moitié brebis, à moitié bouc. Donc si vous dites, eh bien notre église a une organisation, nous donnons aux pauvres, nous faisons ceci, nous faisons cela et nous faisons telle autre chose. Si vous avez cette partie-là sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Paul a dit dans Corinthiens 13, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice, cela ne me sert de rien. C'est dur, mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à ce fait. Reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Nous nous regardons, nous disons, oh oui, c'est bien, c'est pas ça. Si ce fils de Dieu, là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. Il doit lui aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas entrer dans l'église. Ce n'est pas y entrer par une lettre, ni y entrer par une profession, mais y entrer par une naissance. Il n'a jamais donné de lettre. Il n'a jamais donné de profession. Il a donné une naissance. C'est comme ça que nous y entrons. Alors à partir de là, nous vivons automatiquement des vies chrétiennes. Maintenant, une autre remarque. Moitié bouc, moitié brebis. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas moitié bouc, moitié brebis. Vous êtes soit bouc, soit brebis. Or, si vous faites simplement des bonnes actions et que vous pouvez pouvoir y entrer à cause de ça, dans ce cas-là, le jour du calvaire n'aurait pas été nécessaire. Avec la loi, on avait déjà ça. Mais puisqu'il a fallu un jour du calvaire, c'était afin d'introduire ça pour que nous ne soyons pas seulement des membres d'Église, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu. C'est ça qu'a été le jour du calvaire. C'est ça qu'il a signifié pour vous, pour que vous puissiez faire, suivre et agir comme Jésus. Or, la rivière ne coule pas en même temps en amont et en aval.
La rivière ne coule que dans un sens. De même, l'Esprit de Dieu ne coule que dans un sens. Il ne se mélange avec rien d'autre. Il coule toujours dans le même sens. Regardez bien Jésus pour conclure. Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Ce n'est pas tant à l'Église d'ici que je dis ces choses. Vous comprenez? Mais ces messages sont enregistrés. Des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier. Je vais répondre tout de suite à cette question pour les critiqueurs. On m'a souvent dit, vous croyez la Bible? Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Comment pouvez-vous être si mauvais, monsieur? Comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point-là, égaré dans votre théologie intellectuelle, dans votre conception mentale des choses? Mon cher ami perdu, ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible s'interprète spirituellement? Jésus a rendu grâce au Père d'avoir caché cela aux érudits, aux astucieux, aux sages et aux intelligents, et d'avoir voulu le révéler aux enfants qui seraient disposés à venir au calvaire. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez, si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite, vous en ferez une plus grande. Parce que je m'en vais à mon Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir, mais vous, vous pouvez le recevoir. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grand est-ce? Cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi, elle sera guérie, c'est une grande chose, c'est ça qu'il a dit. Mais vous en ferez de plus grand, je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvre, misérable, aveugle. Comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que c'est la chose la plus grande, c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui. De la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut le faire? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'est pas ça. Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous, vous avez? Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? La rémission de votre péché. Les voilà, les œuvres plus grandes. Combien d'entre vous, les prédicateurs, ce matin, combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur la bande magnétique, sont prêts à aller au calvaire ce matin, et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous? À abandonner vos credos dénominationnels et à prêcher l'Évangile. Alléluia. C'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire?
car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia, gloire! Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie? Est-ce qu'il vous a fait de vous un collet monté? Ou bien est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement? Alléluia! Le péché remis! Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les « vous », n'est-ce pas? Des œuvres plus grandes que celles-ci, de remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à cause des credos et des dénominations et tout ça que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi quel homme, dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face sous son vrai jour, ce jour-là au calvaire. Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté? Comment pouvez-vous en ressortir le pantin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes? Pourquoi est-ce que cela ne vous pas rend humble à l'égard de la parole de Dieu? Si jamais vous allez là, vous en ressortirez humble. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même au point que son corps a été mis en pièces, son visage a été couvert de crachats jusqu'à la honte et au déshonneur? Et ils l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde, ayant méprisé la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de la différence de ce que lui a été un déshonneur, une honte? Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent. Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera son chemin avec vous. Laissez-moi citer ça à nouveau. Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera son chemin avec vous. Prions. Seigneur, oh Dieu, emmène-nous tous au calvaire maintenant même. Donne-nous de nous débarrasser de nous-mêmes, Seigneur, de la crainte des hommes, de la crainte de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire. Et le monde entier l'a tourné en dérision, s'est moqué de lui. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'au déshonneur. Il a été obéissant. Même sous le joug du gouvernement fédéral. Et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre, il est devenu le chef et celui qui dirige sur cette terre. Il en a témoigné devant notre Seigneur et il a dit, « Ces royaumes m'appartiennent, j'en ferai ce que je veux. » Et nous sommes conscients qu'à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ce monde sous la malédiction a été gouverné par celui qui l'a maudit. Mais, oh Dieu, oh Dieu, nous servons un royaume qui n'a pas été maudit. Père notre Dieu, combien c'est merveilleux ces grandes choses que tu as faites dans le monde du cinéma aujourd'hui. De permettre ces grands films comme les 10 commandements et ainsi de suite qu'ils soient réalisés pour faire voir à des hommes et des femmes qui ne mettraient même pas les pieds dans une église et leur faire voir ce qu'il en est. Le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde parce que nous sommes, nous pénétrons en Russie qui est sous le système communiste. Nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous sommes crucifiés nous-mêmes pour le royaume de Dieu, pour être l'un des siens. Sans tenir compte de ce que le monde peut dire, nous prenons le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. Nous continuons à avancer vers la résurrection et nous croyons que le moment est proche, Seigneur, où nous serons ressuscités pour entrer dans un royaume qui prendra possession de ce monde. Comme Daniel l'a vu d'avance, le monde entier avait été mis en pièces, comme des brins de balles emportés par le vent sur l'aire de battage en été. Mais la montagne, la pierre, a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre. Cette pierre viendra. Oh Dieu, nous voulons en être partis. Que nous renoncions nous-mêmes, que nous nous chargions chaque jour de notre croix
que nous vivions pour Christ, que nous vivions pour les autres. Accorde le Seigneur. S'il y en a ici ce matin qui ne connaissent pas comme leur Sauveur et qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière finale, vous aimeriez que ce jour soit votre jour au calvaire. Voulez-vous lever la main en disant, priez pour moi, frère Branham. Je veux le connaître comme mon Sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse, mon frère, là-bas au fond. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je le veux, le connaître. Je veux que ce soit mon jour au calvaire. J'en ai assez. Ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né, ce que je dois faire? Je suis né. Né pour être un fils de Dieu. Et je suis là en train de m'accrocher aux choses du monde. Oh Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui. Laisse-moi être crucifié aujourd'hui à moi-même, à mes idées, pour que je puisse vivre pour Christ et vivre pour les autres. Quel que soit leur comportement à mon égard, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me persécutent, qu'ils disent toutes sortes de mal, je continue simplement à marcher humblement, doux comme un agneau, comme il a fait. Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient lever la main? Que Dieu vous bénisse là-bas, au fond, et vous? Très bien. Encore d'autres? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Encore d'autres, avant de prier? Notre Père Céleste, il a été dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, tous ceux qui crurent furent ajoutés à l'Église. Ils avaient vraiment cru de tout leur cœur. Ces gens qui viennent de lever la main, je crois qu'eux ont cru de tout leur cœur. Et si c'est le cas, il y a un bassin ici qui est prêt pour eux. Ils veulent que leurs péchés soient pardonnés. Il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom, le seul nom sous le ciel qui était donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. En effet, comme j'ai cité il y a quelques instants ce passage des Écritures, que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Et à Jérusalem, quand la repentance et la rémission des péchés ont été prêchés, l'apôtre leur a parlé des Écritures et il a dit qu'ils devaient d'abord se repentir et puis être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le rôle du prédicateur. Eux, ils devaient se repentir et lui, il devait les baptiser pour la rémission de leurs péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Père, comment le monde a-t-il pu s'embarquer dans une pareille histoire? Pourquoi ne pas croire le simple évangile? Et ils introduisent même des substituts à cela, de faux noms, un faux baptême, de faux baptêmes du Saint-Esprit, serrer la main des prédicateurs, employer les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui ne se trouve nulle part dans les Écritures. C'est un document fait par des Romains. Ce n'est pas un enseignement chrétien nulle part dans la Bible. La rémission des péchés, la rémission ne peut pas se faire au moyen d'un titre, mais au moyen du nom de Jésus-Christ. Or, Père, nous savons que c'est très impopulaire. Tes voies ont toujours été comme ça. Mais permets ce matin que des hommes et des femmes en viennent à ce jour-là, à ce jour du calvaire, alors que Jésus, ayant méprisé ce jour, cette honte-là, d'être dépouillé de ses vêtements, d'être mis en pièces, de recevoir les crachats, et d'être la risée du monde entier, de l'Église, des gens qui auraient dû l'aimer. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Et il est allé mourir pour ces gens qui se moquaient de lui. Oh Dieu, emmène-nous au calvaire ce matin. Et s'ils disent que nous sommes fous, s'ils disent que nous avons mal compris les Écritures, qu'ils disent ce qu'ils veulent, oh Dieu, ils ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu et dire que c'est faux. Ils ne peuvent pas couvrir leurs péchés par la Bible. La Bible découvre leurs péchés, leur incrédulité, pour être populaire, de faire comme tout le monde. Qu'ils viennent au calvaire ce matin et à commencer par Jérusalem. La repentance et la rémission des péchés doivent être proclamées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'ils fassent aussi ce pas-là, celui du crucifiement, d'être mis en pièces, d'être couvert de crachats, d'être un objet de risée, d'être traité de tous les noms possibles et imaginables, de renégats religieux, de démolisseurs d'églises, traités de tous les noms qu'ils voudront. Puissions-nous ce matin, Seigneur, prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. Puissions-nous marcher comme les apôtres, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche, et servir Dieu de bon cœur. Levez pour l'adorer ce soir. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur avec des acclamations? Est-ce que vous avez apprécié la parole ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Les mains levées pour l'adorer. Jésus paye à tout. Et je lui dois tout, de mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige.
Jésus paye à tout et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neuf. Oui, Jésus paye à tout. Et je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Alléluia. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, t'a mes péchés, oh. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, t'a mes péchés, oh oui, il m'a pris à veiller, prier et vivre chaque jour dans la gloire. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus il m'a pris à veiller, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, t'a mes péchés. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, t'a mes péchés, il m'a pris. Nous voulons ce soir te dire merci, notre Dieu, notre Père. Ce jour-là au calvaire, tout est accompli, Seigneur. Tu as pris tous nos péchés, tu as pris toutes nos iniquités, tu as pris aussi toutes nos maladies, Seigneur. Toutes sortes de maladies qui puissent exister sur la terre, tu as pris cela depuis la croix du calvaire. Peu importe le nom de la maladie, tu as tout porté à la croix pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi qui as pris aussi nos soucis, toi qui as pris aussi nos faiblesses, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole dans nos vies, Seigneur. Qu'elle soit pour chacun une source de bénédiction, une source de restauration, une source de guérison, et que chacun puisse avoir son expérience de la vie du calvaire. Ce jour-là au calvaire, signe de délivrance, signe de transformation, symbole de liberté pour les fils de Dieu, que la gloire te revienne. Merci pour cette soirée que tu as rendue possible. Nous sommes au terme de ce moment. Raccompagne chacun de nous, bénis nos âmes, protège-nous, veille sur nous. Bénis l'épouse, bénis ton serviteur, Nadje Capol, bénis sa famille, sois avec eux comme tu l'es toujours, Seigneur. Merci pour le culte de dimanche, toi-même tu nous précèdes, tu bénis le culte de dimanche, tu bénis le prédicateur de ce dimanche, tu bénis le conducteur de louange de ce dimanche, et que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.